Donc voilà, on est dans ma buanderie et c'est là que je range évidemment toutes les courses. Donc voilà, il y a une grosse manne grise ici remplie de Capri-Sun. Ici, il y a une grosse manne remplie de tout ce qui est biscuits, etc. Pour les enfants, pour l'école. Ici au-dessus, vous avez toute ma réserve que j'ai re-remplie. Donc tous les trucs pour les petits déjeuners, les trucs pour l'école, les noix, le cacao là-bas derrière, les cassonades, ça encore des pâtes, etc. Donc ça, c'est pour la rentrée scolaire. Ça aussi, donc voilà. Ici en bas, vous avez tout ce qui est couche, là-bas pour Angelina, je les ai mis là. Et puis ensuite, dans la réserve ici, il y a tout ce qui est gourde de compote. Et ici, vous avez les œufs bio, huile, vinaigre. Donc voilà, et ici en dessous, vous avez tout ce qui est boisson, lait, eau, petit jus, etc. Et alors là, vous avez encore des surplus pour la rentrée scolaire. Hello, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour un retour de course. Alors, vous entendez un peu le retour de moi, c'est normal parce que les enfants sont encore là. Ils rentrent à l'école mardi. Et justement, en parlant d'école, ici, ça va être un retour de course spécifique un peu pour l'école. Donc, il y a des petites choses pour les temps de midi le mercredi. Il y a des collations, il y a les boissons, il y a les petits jus, etc. Donc, c'était vraiment le truc scolaire. Donc, c'est pas les courses pour notre mois, manger, etc. C'est vraiment que des petites choses qu'on a besoin pour la rentrée scolaire. Donc, voilà. Donc c'est parti! Donc voilà, on va commencer par des petites choses toutes simples. Alors j'ai repris deux packs, je vous montre chaque fois un exemplaire et je vous donne le nombre. J'ai repris deux packs comme ceci de petites barres Kinder pour Angelina, elle kiffe très fort. Alors ça c'est du chocolat pour moi, j'aime bien ce petit chocolat là. C'est du chocolat blanc avec des cornflakes dedans et de la noix de coco. Franchement il est pas trop sucré, il a un bon petit coup de noix de coco, j'adore ça. Ça c'est des tablettes de chocolat noir, là, fair trade. On prend toujours celui-là pour faire des gâteaux au chocolat, parce que là on a un anniversaire, donc on va devoir faire un gâteau au chocolat, donc on nous a pris tant qu'on était là. Alors ensuite, toujours pour l'école, je les vous montre en plus, parce que moi ils sont rangés dans des contenants, comme ça les enfants savent que ce qui est rangé là-dedans, il y a deux pots, ce qui est rangé là-dedans c'est uniquement pour partir à l'école, et ils ont alors une manne dans laquelle il y a des petites choses qu'ils peuvent manger ici sur place. Donc je vais vous ouvrir la boîte, j'avais pris des pick-up, donc c'est des packs de 5 à chaque fois, j'avais pris des pick-up comme ça au chocolat noir, enfin au chocolat au lait, des pick-up comme ça. Donc voilà, et ensuite des tickets comme ceci de la marque Lidl, donc c'est deux biscuits avec du chocolat dedans et du lait au milieu. J'avais pris des tickets mais version noire, et j'ai pris des chacha. Donc voilà pour la première boîte. Et dans la deuxième boîte, il y a uniquement en fait des versions granola, donc la version Léo de la marque de chez Lidl. Donc ça, c'est pour les collations du matin à l'école, pour avoir, je reviens, savez-vous, pour avoir un petit truc sucré le matin, histoire que, voilà, même s'ils déjeunent à la maison, ils ont un petit troll sucré. Alors, au niveau des boissons, nous, on fait simple, en fait. On a pris des grandes bouteilles d'eau comme ceci, avec le bouchon sport. C'est pour une journée complète, savoir que les enfants, je les dépose à l'école vers 7h du matin, ou selon l'horaire de mon chéri, ça peut être moi qui les dépose à 8h15, ou selon l'horaire, mon chéri les dépose lui à 7h, ça dépend ce qu'il fait comme horaire. Mais donc, c'est des grosses bouteilles d'eau, parce que moi, ils vont rester jusqu'à 4h15 à l'école. Et donc, voilà. Donc, alors, oui, on pourrait prendre des gourdes, on a déjà essayé, mes enfants sont grands. Les gourdes, ils les écrasent, on a essayé toutes sortes de gourdes, ils les écrasent, ils disent que ça a le goût. On a essayé même les marques Quash, tout ça, là, ça va pas. Mes enfants, tout de suite, me disent qu'il y a un goût bizarre, ils aiment pas. Donc, on est revenu à des bouteilles d'eau, mais comme on est éco-responsable, les enfants savent qu'il faut les écraser et les mettre dans les sacs PMC bleus. Donc, voilà, on leur a expliqué. J'ai repris deux boîtes comme ça de cappuccino. Parce qu'il n'y avait plus en petite dosette, mais j'aime autant les boîtes comme ça en métal, moi. Et donc, j'en ai déjà rangé une sur ma coffee station, là derrière, dans le pot transparent à côté de la Senseo. C'est la deuxième boîte, comme ceci. On a repris évidemment le pot de pâte à tartiner du diable, donc on a repris deux pots de Nutella. Ça, c'est mon chéri beaucoup qui en mange pour le petit déjeuner. Et les enfants, ça varie entre ça, des pains au chocolat, des yogourts, du cornflakes, un petit peu de tout. Toujours pour la rentrée scolaire, j'ai pris, que je ne dise pas de bêtises, j'ai pris des laits CCML comme ceci. Hop, ça c'est pour la toute petite.
Voilà, j'ai pris un pack complet, donc il y a 5 fois ça. Mais je vous montrerai après ma vidéo, enfin après ceci, ce que ma maman a pris, parce que ma maman prend toutes les semaines, que dès que les enfants sont à l'école, en fait, ma maman fait ses courses le vendredi, et elle prend à chaque fois pour la semaine qui suit des collations, comme ça j'en ai en renfort pour l'école et pour la maison, et donc je ne tourne jamais trop à court, et des CCML comme ça, elle en a repris. Je vous montrerai ça après. Ensuite, toujours pour la rentrée scolaire, on a pris les fameux Capri Sun, mais de la marque... de chez Lidl. On a pris deux packs comme ceci. Donc c'est les grandes boîtes en carton. Hein. Mais je vous montrerai la boîte si vous voulez après. Mais je les ai vidées parce que moi je les range dans un panier. Comme ça vous voyez en même temps comment est-ce que je range au niveau de ma buanderie, enfin de mes épiceries au niveau rentrée scolaire. Donc on a pris deux à l'orange. Donc ça fait 28 pouch à l'orange et 28 pouch tropical. Donc voilà. Ensuite, pour les retours d'école, pour quand ils reviennent de l'école, j'ai repris des cakes comme ceci, j'en ai repris trois. Le troisième était est le même que celui-ci, mais c'est donc lui, c'était aux fraises. La mousse qui est dedans, vous voyez, il y a une petite crème dedans. C'était la même aux fraises. Il est déjà prédécoupé dans une boîte dans le frigo. Je vous montrerai ça en fin de truc. Je vais vous mettre la photo ici, voilà. Et donc moi, je les prédécoupe et je les mets dans une boîte aux frais. Et au fur et à mesure, ils en prennent et quand ils sont plus dans la boîte, on relâche la boîte et on recommence. Donc voilà, donc j'avais pris les trois goûts. Donc là, c'est cake choco avec crème de lait à l'intérieur. Celui-là, c'est au myrtille et l'autre, c'est aux fraises. Donc voilà, j'ai repris des petits biscuits comme ceci aussi pour le retour de l'école, des petits biscuits Oreo pour les 4 heures quand ils rentrent de l'école. J'ai repris un pack, ça c'est pour moi, de la même marque, mais d'eau pétillante que je mélange, moi, je bois ça, je les mélange avec du thé serre, la grenadine au citron vert. Donc voilà, pour le retour d'école, pour les temps de midi du mercredi où j'ai repris, les autres jours ils mangent chaud à l'école, mais le mercredi ils ont fini à midi, donc ils mangent chez moi. Donc j'ai repris des pizzas, j'en ai repris une dizaine, des pizzas bolognaises comme ceci, ça se cuit au micro-ondes très vite et quand ils reviennent, ben, je coupe et ils prennent un morceau de chacun. J'ai repris ceci, baguette aux herbes et baguette à l'ail. Donc voilà. J'ai repris également, parce qu'ils ne mangent pas à chaque fois ça, j'ai repris du fromage comme ceci pour faire des croque-monsieur aussi le mercredi à midi. Du fromage comme ceci et du jambon pour les croque-monsieur et les tartines de mon chéri. À chaque fois, c'est doublé. Donc à chaque fois, il y a deux packs de jambon, deux packs de gouda et deux packs comme ceci. Donc voilà, j'ai repris également pour les petits 4 heures, 4 paquets comme ça, donc 16 crème pudding au chocolat. J'ai repris de la... Comme ça, ça c'est pour les petits déjeuners ou pour les 4 heures. Hein. Un nature comme ceci avec du sucre fin dedans. Et un gros comme ceci, ananas pineapple sap. Donc voilà, j'ai repris des petits sandwichs mous. Les enfants, ils kiffent ça. J'ai repris 5 pains comme ceci. Ils sont congèles les autres. Parce que mon chéri lui prend des tartines pour y travailler. Et puis pour le matin. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Qu'est-ce qu'on a encore repris toujours pour l'école? J'ai repris 3 paquets de pain au chocolat comme ça pour les petits déjeuners du matin. Le sucre fin, ça va s'ébouler. Le sucre fin, voilà, que je vais mettre aussi dans la boîte qui se trouve là derrière. J'ai des boîtes en plastique pour les ranger. J'ai repris deux pots de bolognaise pour aller avec des macaronis simplement. J'ai acheté des macaronis toutes simples pour pas se prendre la tête. J'ai repris également 3 pains. Comme ceci, c'est pour faire les fameux croque-monsieur, comme je vous ai dit, pour le mercredi midi ou un jour soir où j'ai vraiment pas le temps de faire à manger et je ne suis pas motivée. On a repris pour du café, comme ceci, du Weber pour mettre un sens et autres, ça c'est mon chéri qui boit ça. On a repris des petites croquettes pour changer une fois des frites, parce qu'on en avait marre des frites. Et puis ensuite, j'ai repris un gros pack de carottes comme ceci, alors c'est autant pour nous. Et que pour le lapin, donc de temps en temps je les épluche et je les mets en rondelle dans une poêle pour nous, ou je le donne toute crue comme ça pour Lapinou qui est là. Et ensuite il reste, oui je pense qu'il ne reste plus qu'une seule chose, c'est deux petites choses, c'est ceci, les tablettes pour le lave-vaisselle et les petits dosettes formules comme ça pour aller dans la machine à laver. Donc voilà, ça c'est ce que moi j'ai repris. Donc maintenant je vais enchaîner la vidéo avec ce que ma maman elle a pris pour les enfants. Donc voilà. Voilà.
je vous reprends. Donc ça, c'est la suite. Ça vient du même magasin. Ça vient de chez Lidl, mais c'est ma maman qui les a pris. Alors, faut vous habituer parce que quand mes enfants rentrent à l'école, ma maman toutes les semaines prend des compléments au niveau des fruits. C'est elle qui les prend et puis elle prend des biscuits, des compotes, des choses ainsi. Je vais vous montrer. Cette fois-ci, en plus, elle m'a pris un gel douche qui a l'air trop bon en version XXL parce que elle dit que c'était mieux pour les enfants et pour moi. J'ai perdu un cheveu. Donc voilà, c'est celui-ci. La version XXL gel douche, donc c'est pas pour le bain, c'est pour la douche. Hein. Ouais, à la noix de coco. Et il y avait, ils vendaient par deux les LCF. Et donc du coup, elle les a pris, elle en a gardé un pour elle, elle m'en a donné un pour moi. C'est le LCF shampoing doux quotidien citrus serre. Donc voilà, maintenant on va passer à ce qu'elle a pris pour les enfants. Donc on va passer au niveau, on continue les gougouilles et puis je vous montrerai les fruits. Donc elle a repris, elle, des galettes comme ceci. Elle a repris des petits biscuits comme ceci, c'est emballé, la tartine de l'écolier, c'est emballé avec des petits individuels, il y a deux biscuits dedans, des biscuits nature, il n'y a pas de chocolat dessus, ils les font version chocolat mais il n'y en avait plus qu'elle m'a dit, donc voilà. Elle a pris deux fois des gourdes comme ceci, fraises, pommes et pommes bananes. Elle a pris, comme j'avais déjà pris les miens, ben on a repris, donc celle-là, ils vont aller en réserve, des Gracola, donc c'est le style Léo. Elle a repris des petits paquets comme ça de Lu Saint Wafers, il y en a 12 paquets dedans. Elle a repris des cakes comme ceci, avec du chocolat dedans. Ça c'est beaucoup aussi le matin, ça leur arrive de manger ce genre de choses. Alors ensuite, elle a repris des laits chocolatés. Moi j'avais pris, on a repris deux paquets. Elle a repris un patch comme ça de jus d'orange, de petit jus, et elle a repris donc le deuxième chocolaté et elle a repris le même aux fruits rouges. Donc voilà pour les petites boissons. Ça, c'est les petites boissons pour les récrés du matin. Je leur donne ça à la récré du matin. Et puis alors, pour la salle de l'après-midi, ils ont un petit capricorne en fait. Donc voilà. Et alors, au niveau fruits. Hop. Ma coupe de fruits est juste là, donc je vais pouvoir la mettre tout de suite en vous parlant dans la coupe de fruits. Au niveau fruits, elle a pris des bananes. Donc elle a pris deux mains de bananes, je pense, ou une main de banane qui s'est détachée. Donc voilà, il y a à peu près 4, 5, 6, il y a 7 petites bananes. Je vais les mettre dans ma coupe de fruits qui se trouve ici. Elle a repris des pommes, donc il y a 6 pommes. Je vous ai fait encore bouger. Il y a 6 pommes, elles sont super bonnes. Voilà pour les pommes. Et elle a repris un paquet de clémentines. Voilà, voilà. Là, je vous ai montré tout ce que les enfants avaient au niveau des goûters, au niveau des petits déjeuners et au niveau des collations et des boissons pour l'école et des dîners, donc du mercredi quand ils étaient à la maison. Voilà, parce que le reste du temps, mes enfants sont tous les quatre inscrit pour la cantine, donc pour il mange à midi chaud à l'école, sauf le grand qui est en rénové, mais lui les sandwichs, les dagobert, etc. Donc le pain vraiment voilà, ils en font dans son école, donc il les commente à l'école, donc c'est pas moi qui les fais. Donc voilà, voilà, j'espère que ce retour de cours spécial rentrée scolaire vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Non, on se retrouve pas la semaine prochaine, oui, dans le courant de la semaine prochaine pour un retour de cours de nouveau, donc après le 5 septembre. Ou sinon, on se retrouve dans les daily vlogs tous les jours de la semaine. Et cette semaine, je ferai une vidéo spéciale aussi sur les jeux vidéo. Voilà, je vous dirai ce que je pense des jeux vidéo. Je vous montrerai un petit article que j'ai eu l'occasion de lire sur les jeux vidéo et sur ce qu'apportent les jeux vidéo. Et donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et donc voilà, je vous fais de gros énormes bisous qui volent vers vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.